On nous bat un gros bravo pour haïtien frère avec ce nous qui vivre en amet sous frontière d'Abonna. Bat un gros bravo pour vous pour m'en prie s'il action ça qui opposé à moi même campé derrière yo et m'a dit kembe là m'a dit chaque l'autre fois chaque grande frontière que nous gagnons avec la République dominicaine dans moment c'est même action ça pour haïtien poser là-dedans qui ça lié haïtien femme somme mon amet dit que yo nan ki niveau volume haïtien a vidé à terre tant bout de sac pour tant bout de sac maï sous frontière d'Abonna yo dit yo même yo pas arrêter bois croisé gouvernement haïtien pas dit rien. Il n'y a pas de monde qui peut défendre yo. Il y a un seul recours. Comme la République dominicaine, tout ça qu'elle produit comme manger, il y a un seul côté qu'elle voit, c'est en Haïti. Tout ça qu'elle produit comme vieux poule pépé, il y a un seul côté qu'elle voit, c'est en Haïti. Et bien, Mounda Bon, Mounouana Met, dit définitivement, il a bloqué frontière. Il a fermé frontière depuis hier, vers 8h du matin. Hier qui était 14 ans, depuis 8h du matin. Mais depuis ces marchands, depuis ces planteurs dominicains, depuis ces entrepreneurs dominicains qui investissent dans l'agriculture, nous avons tout camion marchandise yo rete là sous frontière solide, plus passer 500 camions qui t'appelle à Haïti, ils étaient sous frontière là, ils ont pas qu'à traverser ces frontières là. Depuis ces haïtiens que l'autre bon frontière, ils ont dit quelque soit monde qui t'a ouvert barrière avec ça, il a foutu du feu dans tout camion yo. Voilà, moi dis bravo avec tout haïtien yo. Nous pas besoin d'embouler camion. Nous pas besoin de craser briser sauf que kembe frontière fermé quel que soit police haïtien quel que soit autorité haïtien qui vient nous faire frontière fout du feu sur les tout vivant période on va dire violence n'est pas violence juste faut que nous fait respecter nous mêmes comme peuple dominicain yo même y a géré pays yo nous même en nous gérer bout de terre pas nous en nous fait bataille ça toujours là nous gè autorité yo va au moins faire respecter souveraineté nous comme peuple là nous gè autorité yo va peut-être faire respecter la souveraineté nous comme peuple. Parce que pas un pays sur la terre qui a un peuple qui a accepté ça qui a passé là. Jamais. Pas un pays sur la terre qui a un peuple qui a toléré ça qui a passé là. Je dis, le président dominicain, qui c'est Luis Abinadel, a fait la chasse aux sorcières contre les Haïtiens. Raison est très simple. Luis Abinadel, ses amis Reginald Bolos. Ok, nous ne pouvons pas dire ça. Luis Abinadel, ses amis Reginald Bolos. Luis Abinadel, ses amis Dimitri Vob. Reginald Bolos, c'est Libanais, descendant Libanais. Luis Abinadel, c'est descendant Libanais. Ça veut dire que c'est des gens qui anti-haïtiens tout naturellement. C'est des gens qui anti-haïtiens. Ils considèrent nous comme bêtes sauvages. Espace pour faire l'argent. Matériel qui pour produire, comme si toute activité pour faire l'argent. Mais nous pas moun pour yo. Reginald Bolos a fait pile tentative déjà. Pour que Luis Abinadel te fait tout ça qu'il connaît, pour l'aider à jouer une troupe militaire pour débarquer dans le pays d'Haïti. Abinadel te font campagne. Marchez pas côté tout président, petit pays qui est dans le Caraïbe. Mandez pour aider le signer un document pour un débarquement militaire fait dans le pays d'Haïti, y compris vous-même qui vous dirigez troupe ça. Et mais démarche ça, il n'y a pas de marché. Président, alors, ancien premier ministre, Dr. Claude Joseph, te prend à contre-pied démarche Luis Abinadel là. Luis Abinadel, ou pas porte-parole pays d'Haïti, ou pas président Lille là. Ou c'est président de la République dominicaine, gérer dossier la République dominicaine, ou pas porte-parole Haïti, ou pas gen droit à marcher parler de Haïti, dans tout côté, ou passer l'international là. Eh bien, ça te baille les Bolos en pile problème. Ça te baille les Vob en pile problème. Et ça cause, nous t'avons regardé quelques temps après, Luis Abinadel, président dominicain, t'avons prendre PM Claude Joseph, ancien premier ministre pays d'Haïti, ancien ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti, il t'avons mettre son liste. Qui ont des criminels nous trois, des assassins, des kidnappers, qui ont tout le monde en Haïti. Limite sur ça. Raison simple, c'est un nèg Bolos. Qui est rapide qui t'a tweeté, qui t'a dit président Luis Abinadel, bien frappé, c'était Rodolphe Bolos. C'est un nèg Bolos qui t'a battu bravo pour Luis Abinadel, l'el prend docteur Claude Joseph, mettez son liste qui gagne des criminels nous trois parmi eux, Tila Pli, Lamo Sanjou, Iso Sexe Godmano, toute l'autre gang qui connaît son liste. Mais c'était Bolos qui te bat bravo, rapide, vite, avec les Vob qui te bat bravo pour action ça que le président Luis Abinadel te prend contre Claude Joseph là. Mais ça va te faire nous peur parce que nous-mêmes les Haïtiens, nous gagnons toujours. Si Claude Joseph pas propre, s'il pas clean, je garantis non. Le conseil qui te mettait tout boudal dans la rue, comme petit voleur, comme pas sérieux, comme qui te vole l'argent de l'État. Parce que pas oublier, Claude Joseph c'est le seul grand qui campe comme Haïtien pour le moment, qui défend Haïtien qui vivent en Dominicanie. Bien que le pas capable action. En tant que monde qui est dans l'État.
comme si m'a dit comme autorité comme autorité dans pays là, il pas autorité. Il était autorité, mais voile seulement, yon tweet seulement, voyons pile parole et me besoin tweet PM Claude Joseph dans moment ça. Docteur Claude Joseph Kotoya, monsieur Kogé de mon capitaine d'émission pour vous. On connaît. Faire un tweet, il pas en action. Mais il veut dire pile bagaille. Il veut dire en pile bagaille. Et m'a dit nous peuple haïtien, démarche président Luis Abinader là, il rentre dans cadre côté que après toute campagne que Luis Abinader fait bon côté gouverne tout président qui dans Caraïbes là, tout pays, tout petit pays qui dans Caraïbes là, il monte États-Unis d'Amérique, là les Washington. Là il rencontre avec vice-président américain qui c'est Kamala Harris pour la faire même campagne là. Ça pas marché. Yo fait dans les Nations Unies, ça pas marché. Toute démarche qui fait pour un débarquement militaire fait dans Haïti, ça pas marché. Raison simple, parce que les oligarques corrompus qui mettent toute cop de autour du président Jovenel Moïse, ils ont besoin de grandes bagages pour retourner dans le pays, ils ont besoin d'une intervention militaire faite dans le pays. C'est ça qu'ils ont besoin pour le moment pour venir vivre en Haïti. Ils ont besoin d'un débarquement militaire seulement pour chaque nègre fonctionner avec groupe troupes derrière eux pour fonctionner normalement dans le pays. Le Sopal Jeune, Reginald Boulos, pour le soutien Dominicani, avec un troupe militaire pâle qui va le sécuriser. Le Sopal Jeune Dimitri Vob, sorti, passé en Dominicani, prend un troupe militaire pâle qui va le sécuriser en Haïti. Mais eux même qui finissent tout le président, ils vont vivre plus bien que tout le monde en Haïti. Tout politicien qui finissent tout le président, ils vont vivre plus confortable que tout le monde en Haïti. Je veux dire des machins simples. Et Luis Abinader a fait solidarité ensemble avec les oligarques corrompus dans le pays d'Haïti. Et qui sont dépensés derrière des millions de dollars américains pour tout le président Jovenel Moïse, c'est normal parce que c'est des Syriens, c'est des Libanais, c'est des Palestiniens. OK? Et mais justement, nous-mêmes comme Haïtiens, nous devons continuer à frapper. Frapper dans le niveau que nous avons frappé. Et ma pensée appelle là, bon côté, mon frontière Jimani, Malpassion. Mon fond parisien, rend tête nous service ça. Rend nation service ça, ferme les frontières pour nous. Jovenel Moïse te montre nous ça. Moun, pour en mettre répéter. Je dis, si Jovenel Moïse te là, ça pas t'as passé comme ça. Et bien, moun yon décide pour faire même ça, Jovenel Moïse te kon fait comme action. Yon yon ka fèl. Ça li plus facile, li pon document qui a signé légalement, mais yon son un frontière odieuse par son chaîne là-dedans pour qu'on ne pas traverser. Et quel que soit haïtien qui traverse la frontière, à l'acheter dans le Dominicain, yon fout faire mon de pilote bon frontière. Yon fout craser son d'acheter. Yon pas mal de pour faire violence. Sauf que, mande yo quel que soit haïtien qui vient bloquer yo dans démarche qui a fait prend haïtien éradiquer n'a pas mande moun Elias Pina Belader ferme frontière le plus vite que possible. Ferme frontière, c'est seul recours que nous gagnons, seul ça que nous gagnons que Luis Abinader capable de faire back sur décision qu'elle prend pour la reprend haïtien pas pile et pas Macron voye Haïti capable comprendre ou gérer dossier migratoire. Mais il y a un gens pour sa fête. Dans les limites de l'humain, il faut qu'ils respectent. Mais quand on parle de la quel que soit haïtien, ou des machines, ils prennent la main, ils volent. Ou des machine, motocyclettes, ils prennent la main, ils volent. Ou des téléphones, ils fouillent, ils prennent la main, ils volent. Ou des cailloux, ils cassent. Et puis ils foutent pour mettre nos machines, ils volent en Haïti. Ils volent tout ça qui est dans la caille. Dis-moi qui les respecte parce que ça. Ça, c'est nous-mêmes les haïtiens, conséquents, qui vont mettre tête ensemble, qui vont dire Belader doit fermer. Belader fermer, rapide, pas grand rien qu'à traverser les frontières. Jusqu'à nouvel ordre. Ah oui, nous clés sur ça. Frontière Belader doit fermer jusqu'à nouvel ordre. Nous clés sur ça. Mais moi, je suis Belader et chercher citoyen ça yo qui fait rentrer zam dans le pays d'Haïti avec cartouche. Et m'a dit non, m'a une nouvelle. Je dis ya. Depuis ces cartouches qui ont trouvé moun en Haïti, ils ont green côté qui sorti en Dominicanie. Après répéter ça, je dis là. C'est cartouche qui a alimenté gang 400 Marozo. Gang dans le Canaran. Et qu'on grand côté qu'ils ont dit, la République Dominicaine. C'est des Haïtiens qui ont fait business ça avec des Dominicains. Des Guadeloupéens Dominicains. Qui ont acheté cartouche, qui ont acheté balle, elles vendent en Haïti. C'est pile l'argent qui a fait dans ça. Parce que pour le moment, il y a veillé qui a pris des armes en Haïti qui est États-Unis d'Amérique. Mon dossier là qui m'a préparé. Aïe, aïe, maman petite m'a revote. Nous ne pouvons jamais saisir comme ça.
Un dossier qui m'a préparé pour nous là. Bref, nous voyons exactement dans quel niveau on a dit c'est criminel. Moi, je m'étais mouru après le dossier ça, mais on a écrasé ma plaque de dossier. Je m'ai préparé, je m'ai bâillé pays aller. Un cadeau, je m'ai bâillé pays aller. Pour comme si vous faites fin d'année, je m'ai bâillé pays aller. Depuis ces armes avec cartouches. Dans le dernier temps, ça y est, quand vous rentrez en Haïti, pour tout le monde, vous avez un green côté qui est sorti en République Dominicaine. Noir sur blanc, période. Et je m'ai bâillé peuple haïtien. C'est des nègres qui sont dans Belader. C'est des nègres qui trouvent exactement sous frontière. Et. Dabon, qui a fait business avec Dominicain. Dene qui trouve sous frontière, Jimani Malpass, qui a fait business avec 400 Marozo. C'est en pile l'argent qui a rentré dans le business. Rete là, nous pas le connaître qui choye. Pas oublier, nous pas le causer. En pile de détails pour le partager là. En pile information. Trafic ZAM, dossier la République Dominicaine. Assassinat, Eric Jean-Baptiste. Rete là, nous pas le connaître qui choye. Assassinat, M. Doval, qui des informations que nous pas le partager ensemble avant dans l'académie sur ça. Rete là. Mais tout d'abord, avec tout le respect, toute estime que nous avons pour nous, je vous dis bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'a, vous de nous, vous regardez nous. Encore une fois, Jacques nous connaît. C'est toujours un plaisir pour moi pour que nous avec nous. Et. Ça a vraiment fait du bien. À chaque fois que je me connais, je viens parler du moment ensemble avec nous et que je me connais, nous allons réagir exactement à travers les commentaires. Alors, c'est là que nous allons dire tout ça que nous pensons. Eh bien, oui, tout ça que nous comprenons. De ça qui dit dans l'Académie Panoua, qui passait sur la plateforme Panoua, qui c'est la plateforme YouTube Info Bertoua. Parce qu'il est clair que eh bien, nous entendons, nous comprenons, nous apprécions ce travail-là. C'est normal pour que nous gagnions une réaction quand même. Réaction Panoua, pas de l'autre côté qui nous capable de faire, c'est exactement l'espace commentaire-là. Côté déjà, ouais, toute famille. Tous les amis déjà à commenter ensemble avec vous, à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous comprenez. Justement, vous même pour des voix pendant que vous commentez, à nous like émission 1. Bye niveau like là, bye like là. Parce que l'homme monte ou like li, vous montrez nous dans quel niveau vous remet travail là. Le bye like là. D'accord? C'est une obligation pour que nous like, pour nous montrer dans quel niveau nous apprécions le travail là. Il est très intéressant pour que nous partagions l'émission ça sur tout le groupe WhatsApp, dans tout notre contact WhatsApp, nous partager sur Facebook, faciliter plus de monde participer ensemble avec nous. Parce que je dis, la douleur haïtienne en Dominicani, c'est douleur chaque grain haïtien. Douleur frère avec nos compatriotes qui passent en Dominicani, c'est douleur chaque grain haïtien qui vit Bahamas, États-Unis d'Amérique, la France, Canada, la Guyane française, la Martinique, la Guadeloupe, tout l'autre pays, c'est douleur haïtienne en Haïti. Je dis, il faut que nous connaissions tout. Nous avons un groupe qui est là, nous avons un ministre des Affaires étrangères qui nous a payé. Nous avons une deuxième résidence. Nous avons une machine blindée. Nous avons toute qualité de bagaille. Mais là, il ne va pas dire rien pour Haïtien qui a passé douleur ça, qui a passé calamité ça en République Dominicaine. Moi-même, en vérité, bon Dieu, 7 fois, 77 fois. Il y a des images qui m'ont gardé de l'eau coulée dans les yeux. Je ne sais pas si je suis dévasté. Je ne peux pas vivre comme moi. Il y a des images qui m'ont gardé. Ça n'est pas humain. Ce n'est pas humain. On a regardé ça. Ça, c'est sur une plage. Vous pouvez regarder pour eux. Sur une plage. L'autre a essayé de parler, il n'y a pas faire rien. Meni. Il a cassé pour être là. Meni, haïtien. L'autre image que je regarde qui dit en pile, son femme enceinte. Qui sont frontières qui sont Jimani. Il vient dans la période pour la coucher, elle est tranchée. Il prend route l'hôpital urgence. Le lever devant l'hôpital là. Le médecin dit qu'il ne peut quitter l'entrée, il n'y a pas de place pour Haïtien. Il a accouché tout le monde devant l'hôpital là, dans la rue. Dans la rue, il y a une motocyclette à terre dans la rue. Il a accouché tout le bébé. Mais il fait un genou de terre, il a accouché tout le bébé. Je dis, chaque grand Haïtien, cap vivre dominicani pas quitter au déporté tout nous tout cap travailler dans construction tout dire ça honnêtement pas quitter au déporté non à nous prendre manchette qui n'amène nous à nous rentrer en Haïti à nous prendre manchette qui n'amène nous tout haïtien à nous prendre manchette qui n'amène nous à nous rentrer en Haïti parce que nous presque 1 million en dominicani à nous prendre manchette qui n'amène nous à nous rentrer Port-au-Prince gango met pété fiel nous mais n'a foutre sous bouteille nous. Tout haïtien qui vit en Dominicani, à nous rendre tout service ça. Nous fermons les frontières jusqu'à nouvel ordre. Nous prenons direction pays. Jusqu'à nouvel ordre. La situation a tourné. Dans Jean-Claude doit tourner. La négociation faite. Politique migratoire est faite. Diplomatie a géré. Le ça,
justement, on va connaître si on va tourner en Dominicanie, on va connaître si on va prendre la caille. Mais en attendant, depuis que c'est l'autorité en Haïti, il y a un compte à rendre devant nous. Je dis nous tous les gens qui vivent en Dominicanie, qui ont manchette, qui ont coupé les cannes, qui travaillent dans le champ, qui travaillent dans la construction, on nous prend pelle, on nous prend bourrette, on nous prend manchette, on nous prend direction la caille. Sauf que tout Haïtien nous met tête en comme si dans la capitale pays d'Haïti, Port-au-Prince. 500 000 Haïtiens rivés dans Port-au-Prince, Nadim Sibandiap qui a kidnappé nous. 500 000 Haïtiens, 1 million Haïtiens, a rentré dans Port-au-Prince là pour nous prendre direction par les nationales, pour nous prendre direction la primature là, pour nous prendre direction la carrière là, pour nous prendre direction la carrière. Chaque ministre, Nadim Sibandiap qui a kidnappé nous. Je veux dire, nous devons braver le danger. Nous vivons dans le danger, nous vivons dans la douleur, nous vivons dans la calamité en nous posant action concrète. Pour tête nous, pour pays nous. Je veux dire, c'est le seul grand recours que nous gagnons. Fermez toutes frontières et vous prenez direction la caille. Veillez quel que soit haïtien qui a pris chance pour venir traverser, venir acheter un grand zoo en Dominicanie pour traverser la frontière. Bal mon pièce. Bal sale mérité. Fermez frontières. Bloquez tout produit dominicain jusqu'à nouvel ordre. Et ça m'a prouvé. Plante à Dominicain, c'est pas 10 présidents Luis Abinader l'ont bagaille. Sous Jovenel Moïse était fait. Abinader a traqué haïtien, normalement, fait toute qualité de comme si mouvement raciste, parce que c'est Libanais qui pas foutu haïtien. Il va vu haïtien. Libanais même Jaboulos, c'est même Boulos, c'est même Libanais. Il va vu haïtien. Donc, une grande action pour que nous posions, c'est fermer toute frontière. Et puis, c'est quand même un peu de monde qui vient chez Dominicani, foutre prendre toute frontière. Fermez yo. Fait piller là-dedans, yo. Gaspiller yo. Toute machine dominicaine qui vient traverser la frontière, pas boule machine monde. Sauf que fermez frontière. Dis Dominicain, retenez l'autre bonne frontière avec produit jusqu'à ce que le président dominicain tourne sous décision qu'il a pris là, j'ai la traqué haïtien, pas bon. Il va logique. Je veux dire, on a des militaires, l'armée dominicaine, dans le bout d'Haïtien, en Dominicanie. L'armée dominicaine. Je suis écrasé quand il y a haïtien, dans la ville province, dans la province dominicanie. Mais du fait dans le cas, on a pété pour le cas. Les fois, pour le cas, on n'a pas ouvert, il faut du fait dans le cas là. Ça a obligé de péter pour prendre la rue. C'est la pire méchanceté qu'il y a. Puis, go crime. Son méchanceté. Là, nous cherchons qu'on est qui s'est dit ça. Mais entre temps, on me dit, mais qui est-ce qui mette dans ça? Mais groupe n'est pas. Mais groupe n'est pas pour nous chercher avec manchette. Mais qu'est-ce qui mette dans ça? Mais yo. Mais coalition d'assassins. Mais yo. Je dis à nous de chercher fouler les manchettes pour nous jouer avec ça. Yo. Mais en 2019-2020, mais yo même kap réuni là pour annoncer à banou là. Mais yo, Yuri, beau plan Ricapier dans un cassi Don Kato. Mais yo. Travaille pour Dimitri Vob. File manchette non. File manchette banou mais c'est ça sous deux chaises. Anou banou entre tête. Anou des têtes nous tout. Anou banou bourade. Parce que nous pas arrêter bois croisé. Comme si nous avons dit c'est blanc pour venir de nous tout bagaille. Non. Nations Unies, mandé la République dominicaine, mandé le gouvernement dominicain, pour suspendre. Faut camper la déportation haïtienne. Président Luis Abinader, continuez. L'ONU Goncob qui est toujours bail, la République dominicaine, en comprenant que la République dominicaine toujours fait reconnaître que je suis pas haïtien dans le dossier l'hôpital. Moi-même dis ça, c'est vérité. C'est vérité. C'est vérité 100%. Parce que depuis c'est haïtien. C'est Dominicani qui vient accoucher. Il y a plus haïtien qui fait petit en Dominicani que Dominicain dans dernier temps. Plus haïtien couche comme si accouché dans l'hôpital que Dominicain. Ça me reconnaît ça moi-même. Mais on coble l'ONU toujours bail la République dominicaine pour ça. Le Dominicain d'Abus Luis Abinader pas décidé pour le camper dans déportation dans déporter haïtien yo. L'ONU dit le pas bail comme ça année ça. Ça vient fait. Président dominicain fâché. Les boudé. Et vous dites, bon, vous pouvez déporter haïtien massivement. Vous avez l'armée dominicaine à botter haïtien pas pile et pas macon. Dans le moment où je parle à vous, dans le moment où je fais une vidéo, il y a un grand haïtien dominicain, tout haïtien caché en Dominicanie, même si soit vous avez tout, vous n'avez pas pris la rue. Vous avez grand goût, vous n'avez pas pris la rue. Vous n'avez pas la maquette, vous n'avez pas le bureau de transfert, vous n'avez pas la pièce côté. La police dominicaine, l'immigration, l'armée dominicaine, la gaffe cherche haïtien tout partout dans toute rue en Dominicanie. Sur tout territoire dominicain. Son l'ordre que le président a eu. Nous-mêmes, qui ça qu'on a fait comme action?
Abinadel a géré le pays, il va vrai. Nous-mêmes qui ça n'a pas fait. Nous pas des pays nous. On nous ferme toutes frontières. On nous ferme toutes frontières. Les revenir avec haïtien yo. N'a juste pas haïtien côté pour rentrer dans la caillou. Même si elle manger terre la caillou qui rentrer sous bouteille là. Même si elle manger fatra dans pays d'Haïti qui rentrer la caillou. Nous clair sur ça. Quelque chose sacrifié qui rentrer la caillou. Qui yo rentrer la caillou. Nous clair sur ça. Quelque chose sacrifié mais yo doit rentrer la caillou. On va rentrer la caille. On dit bravo pour mon Belader, pour mon Dabon, pour mon Walamet. OK qui pose action ça. On dit bravo pour yo. OK côté qui yo bloqué tout camion dominicain qui a rentré dans pays d'Haïti. On dit bravo. M'a demandé mon Belader pour fermer frontière. M'a demandé toute population Belader fermer frontière et puis venir qui a rentré zam sur frontière. OK venir qui a sorti acheter balle avec cartouche avec zam en Dominicaine qui a traversé frontière, veille il prend couper oreille, couper deux pieds. Quel que soit haïtien. Nous croisons qu'après rentrer ZAM, qu'après sortir chez ZAM en Dominicaine. Nous croisons sous frontière, mon Belader prend le coupé tête li, coupé tête li rapide, coupé tête li, parce qu'il n'y a pas de monde. Et il tape, il y a la souhait haïtien capable de continuer à acheter cartouche pour entrer à Haïti. Ça veut dire nous plus que criminels. Et Dominique vient guérison pas respecter nous. Pour que nous respectons la police haïtien qui n'a pas l'air national. Rentrer Belader pour la dé cartouche. Pour l'endroit au presse. Quand je pouvais faire ça, quand je pouvais bandit fusiller moun, tout le monde, parce que c'est business ça qui marche en Haïti pour le moment. L'on est dans la police pour faire comme ça. Yo deux points. Rentrer sur place, constitution ensemble avec vous, et puis couper tout bon loup qu'on est devant le monde entier. Il n'y a pas de violence, non, man. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. Faut que nous aidions tête nous. Faut que nous aidions tête nous. Faut que nous aidions tête nous, yon bourrade. Faut que nous disions plus jamais, ça, lui pas supposé continuer. Nous devons stopper ça. Nous devons stopper ça. Parce que ce n'est pas possible pour 2022 pour nous vivre ça, nous vivre là. Il n'est pas logique. Et dernier qui trouve sur la frontière, Jimani, il a entré dans le trafic ZAM avec Lamo Sanjo. Il fait nous connaître des députés dans la commune de Kouadebouquet, ancien député. Qui n'a trafic ZAM avec M. Lamo Sanjo. Avant yon cartouche. Il y a un ministère de l'État pays en Amérique. Je dis, qui est dans la commune de Bouquet. Je ne sais pas si vous parlez. Mais de fait, les Américains ont retiré le visa. Je dis, Américains. Je dis, et peuple haïtien. Les États-Unis d'Amérique ont retiré le visa ancien député de Bouquet, qui est Jean Tolbert Alexis. N'a cherché raison. Je cherche raison. Toutefois, mes messieurs, à vivre Santiago en République Dominicaine. Jean Tolbert Alexis. Actuellement, là, les États-Unis d'Amérique retirent visa, monsieur, tout. Autant de le candidat au Sénat dans le pays d'Haïti. Ils ont trafic en ZAM. On a dit que c'était très, très fort dans le trafic d'organes dans le pays d'Haïti. Trafic d'organes. Trafic d'organes. Pour les haïtiens non abcités, comme les gens qui ont un trafic d'organes dans le pays, le ça a fait, nous suspendons les gens. Nous avons des haïtiens qui apprennent qu'il y a des médecins qui parlent espagnol, nous ne pouvons pas dire que c'est dominicain, qui ont une base 400 marozo, effectivement, qui ont retiré rien de monde, qui ont retiré que les gens, qui ont pris des organes qui ont encore. Pour mettre dans l'iglou, mettre dans le freezer, mettre dans l'oxygène, pour traverser les frontières ensemble avec eux. Qui côté allé nous pas connaît. C'est des questionnements. Il y a des politiciens dans le pays d'Haïti qui ont un trafic d'organes dans le pays. Il y a des politiciens haïtiens qui ont un trafic d'organes. Trafic d'organes, ça veut dire que ça. En bon créole, n'est qu'à retirer. Pièce dans le corps, partie dans le corps en bon créole. Nan ka pou tirer acheter cœur pour aller mettre dans l'autre monde, vendre le vendre cœur avec l'autre monde. Jeune garçon qui est en vingtaine, yo, moun qui est en 15 ans, yo vend caisse à vendre cher, comme si vend cher, très très cher. Et comment elle est? Rien. Jeune garçon, jeune fille, qui a peine en vingtaine, ça vend cher en pile.
pour aller venir avec étrangers, avec des milliardaires. Dans le secteur privé des affaires dans le pays d'Haïti, dans le trafic d'organes dans le pays. Ça y est, on le. Il faut qu'abser ça pété. Il faut que payer en compte ça y est. Il faut que nous cité. Jean pays est là, l'homme dit kidnappé. Autant de vous pas, j'aime tant de encore. C'est pas l'autre bagaille. C'est disparaître, disparaître. Vous prenez depuis ces pièces qui sont encore, depuis ces organes qui sont encore. Mettez l'oxygène, mettez l'iglou, traversez la mer ensemble avec l'alvan de notre pays. Parce que ça y est, ils vendent très très cher. Il y a des gens qui font un grand monde à l'étranger, qui sont des milliards de gens, mais ils sont très très jeunes, avec petits bébés, avec un petit monde. Rien haïtien. Rien haïtien à vivre en dans quoi des étrangers. Que haïtien à vivre en que étranger. Ok? Il y a des gens qui font un grand monde net, grand monde. Mais vous retirez le cœur, vous le mettez sous le cœur de l'autre monde pour continuer à vivre. Vous suspendez nous, vivre nous-mêmes pour aller vivre dans l'autre monde. Vous suspendez les organes dans le corps nous, vivre dans le corps nous, mais les organes nous pour aller vivre dans le corps de l'autre étranger. Action ça vous passe dans la base 400 maroons dans le des bouquets. La mort sans jour. Tout ça m'a dit nous là, FBI compte tout. FBI compte tout passer, mais ces 400 maroons vous arrêté. Par exemple, Tizo. Avec comment les cousins yon yon, tout nek sa yo a témoigné aux États-Unis d'Amérique. Y a dit tout bagay net qu'on est. OK, y a dit tout bagay net qu'on est. Même vle pays comme ça, vle nation comme ça. Je dis nous grand pile moun k'ap disparaître dans pays ya. C'est des nèg qui dans politique, des nèg qui dans secteur privé des affaires, k'ap dit avec groupe gang yo, k'ap fait groupe gang yo et yo gen médecin yo dans groupe gang nan qui yo mette vin chita dans base gang nan. Médecin sa yo là pour retirer organe moun yo. Dans le pays. On veut chaque grand haïtien prend ça au sérieux pour nous tracer un exemple peuple haïtien. On moun k'ap vive sous frontière Belader qui voit une machine fermée k'ap sorti en Haïti, fouille machine ça pour garder si pas gagne glou en dedans, si pas gagne cœur moun qui n'a oxygène. Mais nous connait ça. Nan k'ap di nous ces anguis, mandé pour nous vérifier pour si pas gagne organe moun là-dedans. Chaque haïtien qui ont machine à sauter en Haïti, pour traverser frontière, pour entrer en Dominicani, fouiller. Moun port de paix. Moun. Qui n'en douane, la kaye commissaire Miskade, Miragouane, depuis ce igloo qui a sauté en Haïti, qui va monter bateau, fouiller, yo m'appelle de commissaire Miskade, fouiller depuis ce igloo. Nous avons monté bateau, qui a chargé pour entrer Miami. Fouiller yo. Pour essayer de gagner organe moun qui sont matissants pour entrer là-dedans. Ça, c'est très important, commissaire Miskade. Ça suspend nous vivre dans le corps comme haïtien pour organe dans le corps, elle continue de vivre dans le corps étranger. Je dis à chaque grand haïtien, nous devons combattre ça. Nous devons battre contre ça pour faire tout ça que nous connaissons pour nous donner une réponse. Parce que ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas vivre avec ça. Ce n'est pas logique. Yo inspecteur de police dans le palais national, Walki, et yo arrêté monsieur dans zone Mon Cabrit avec 4 caisses balles dans la machine ni, avec une quantité d'argent. Zam cartouche de chercher sur frontière Belader pour entrer Port-au-Prince. Il dit la balle bayo Delma. M'a dit nous peuple haïtien. Évidemment, son quantité nèg qui était dans palais national qui t'a travaillé avec Dimitri Erard. Dimitri Erard qu'on fait trafic d'armes sur territoire dominicaine. Mais là, yo bal acheter d'armes pour palais national, il commandait plus pour qu'il vienne vendre plus lui-même. OK? Jovenel Moïse était président, était Dimitri Erard acheté, on a fait des 55 Galil. Dimitri a acheté 255. Moi, je vais vous donner une liste de policiers qui vendent des armes pour Dimitri Erard. Liste de policiers qui vendent des armes pour Dimitri Erard. Liste de policiers qui vendent cartouches pour Dimitri Erard. Et c'est des gens qui sont dans l'USGPN, c'est des gens qui sont dans l'USP. Je vais vous connecter l'islam et je vais vous porter tout le nom pour nous.
n'a pas tout non yo. OK, il est très intéressant. N'a pas tout non messieurs dames ça yo. M'a porter tout non yo pour nous. Parce qu'il est très intéressant pour nous tout non nèg qui a fait trafic zam yo. OK, faut que nous gagne non yo et puis justement pour nous faciliter pour nous tracer exemple. Nèg ça évidemment yo tenait parler national. Pour monde qui a fait campagne dit que Martin Moïse, Jovenel Moïse, c'est des chefs de gang qui ont été là, m'a dit honnêtement. Jovenel Moïse te gon paquet nèg k'ap fè trafik zam nan dol mais pa konn yon pa jam te konnen c'est un bagay ki te pi grave dans palais national ko pa ka nèg nan palais national k'ap fè kidnapping Jovenel Moïse pa konnen Dimitri Rabjid ap dirije troupe la si Jovenel Moïse te gen kèk moun nan palais ensemble avèl c'est ta moun tankou comment rele dam sa Esther Antoine et Guy Chadoré et puis l'autre jeune homme, oui, comment citoyen ça là encore? Renal Liberus, c'est mon acte fidèle avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse n'a pas de monde. Bon côté. Moun qui t'en a parlé avec Jovenel Moïse, qui était bon côté, qui était bon côté vrai, qui t'a collaboré avec, c'est Renal Liberus, Guichard Doré, et Esther Antoine. T'as dit quelques autres gens. Comment ça? Depuis ces nègres qui ont une bonne sécurité, toutes ces gangs qui ont eu, toutes ces nègres matéliques qui ont eu, y'a pas de monde. Et ça fait que tout ce grand monde qui était bon côté Jovenel Moïse, y'a pété courir. Parce que vous connaissez contre les bagailles, vous avez yo. Mais quelque part, vous avez peur, vous avez faute. Et puis là, vous traversez en République Dominicaine, et puis là, vous courez à les États-Unis, vous commencez à mettre violent, vous venez, vous avez pu sauver la vie. Vous n'avez pas parlé. Parce que les bandits légaux, vous avez cherché tout partout. Vous comprenez surtout pour madame ça, qui est Sophia Matéli, qui est là, qui est encore Esther Antoine, Esther Antoine, qui fait révélation. Vous comprenez? Depuis là, Esther Antoine, pas parler fort. Parce que les bandits légaux sont extrêmement puissants, ils sont méchants. Il n'y a pas de bonne chance, il y a des tuyaux. Ils sont des criminels notoires. Je m'a dit, monsieur, nous mettons bat chien et tant de mètres. Bat chien, tant de mètres. Et Moun Belader, a pris le créneau là pour rentrer dans les frontières aujourd'hui. Je m'a dit, Moun Belader, m'a pris le réponse à la main. Moun Belader, m'a pris le réponse à la main. Pour nous avoir fait les frontières le plus vite que possible. Parce que faire les frontières, c'est le seul grand recours que nous gagnons pour le moment. OK, c'est seul Zelle 4 qui nous capable aller pour le moment. D'accord? Tout ça lui ça Benadel l'a fait là, c'est exactement et démarche qu'il a fait pour Reginald Boulos et l'Elvin voit que les États-Unis d'Amérique, Conseil de sécurité des Nations Unies, Pavli Bal, ça qu'il a cherché là qui sont débat comme militaire dans pays d'Haïti, et il dit yo est haïtien. Ça dit bien qui ça parle là dit oui. Gouvernement dominicain dit clairement, yo est haïtien fait manifestation, yo dit, yo pa vle intervention militaire. Et mais Reginald Boulos avec Dimitri va parler avec le président dominicain, yo dit, monsieur, c'est trop et l'autre pays haïtien jeune pour aller, qui cause les haïtiens a fait des matchs ça. Traque yo, voye yo tourner dans le pays, yo pa pile pa makon. C'est Dimitri Vob avec Reginald Boulos qui m'a dit le président dominicain pour faire ça. Dimitri Vob, Reginald Boulos qui m'a dit le président dominicain fait ça. Nous devons passer nous deux connaissons. Ce qui m'a dit, nous devons en nous faire tout moyen pour nous faire que Haïti pas pays tout, il n'y a pas de vivre dans le pays encore. Et nous faisons tout ça que nous connaissons pour nous faire suspendre vivre dans le pays. La famille Vob doit aller au Liban. La famille Vob doit aller au Liban dans le pays. Nous doit aller à la Syrie. La famille Boulos doit aller au Liban dans le pays. Dans le pays. Comment lui ou bien vient vivre bon côté Zamil. Libanais pareil qui c'est Luis Abinadel. Ça lit très intéressant. Chaque grand haïtien doit prendre manchette yo, prendre macoute yo, tourner la caille non. Tourner la caille non. Nous comprenons pile l'investissement fait en Dominicanie, mais situation en Dieu. Nous comprenons investissant pile l'argent en Dominicanie, en pile l'argent. Et ça qui est plus grave là. Même ba nous ça comme information. Depuis ces haïtiens qui vivent en Dominicanie, à partir de 17 décembre qui viennent là. Ou pas obligé de déporter propre tête ou raison. Parce que ou pas gain accès pour aller rentrer dans le bureau de transfert pour prendre l'argent. Il a coupé accès ça. Il a coupé accès ça. Parce que le ça, il a pas besoin de la immigration encore. Il a pas besoin de la immigration encore. Parce que le ça, pas payer caille, ou pas payer bilou, mais il a pas de caille là. Ou pas obligé de déporter propre tête ou. Mais maintenant, qui niveau arrive avec nous? OK? Maintenant, qui niveau vivre avec nous? Il y a tout haïtien. Le gouvernement haïtien n'est pas derrière. Il y
immigration, fusil haïtien. Immigration haïtien. Alors, gouvernement haïtien pas dans rien. Yo maltraité haïtien. Yo humilié haïtien. Autorité ministre affaires étrangères pays d'Haïti pas dit rien. Dominicain cassé pour être haïtien, cassé pied haïtien. Voler tout ça que soit haïtien. Gouvernement haïtien pas dit rien. Mais quoi haïtien qui répète ton bagay, qui dit comme ça que Dominique a déporté haïtien sorti mois d'août pour arriver. Mois novembre, il a déporté 60 000 haïtiens, mais qu'on y a là. Hier, il a été arrêté 1 500. Jodi, il a passé à 4 000. Mais il a été 4 500 dans le dépôt. Haïtiens, oui. Il a été arrivé 15 000 pour voir, parce qu'il a voyé par convoi 15 000. Convoi 15 000. Sur toute frontière. Convoi 15 000. D'accord? Il y a blague. Et Belader, il y a plagué yo Dabong, ça reprend Santiago, il y a plagué yo Dabong, ça reprend Capital, Santo Domingo, il y a plagué yo. Et Belader, il y a plagué yo. Et Jimani, c'est comme ça, il y a plagué pas pile pas Macon. Ok? Pas pile pas Macon, comme ça, il y a go. Et sauf que, il y a une bonne possibilité pour dire dans quelle zone qu'on sorti, évidemment, et pour connaître ces zones, zone au Cap, il y a Lago et Belader. Et comment il est, et sous frontière Dabong. Si c'est Port-au-Prince, il y a Plago, zone Jimani. OK? Et comme ça, il fait. Il fait ensemble avec les haïtiens. Le président Jovenel Moïse, il a parlé. Il a fait des démarches pour aider nous sortir de ce qu'il nous vient là. Il a retourné le président. Mais il y a un point qui est important, surtout ce qu'il a dit là. Ce qui fait haïtien, a déporté tête dans le pays pour venir prendre refuge dans l'autre pays. C'est parce que haïtien a pris des armes, bay bandi zam pour bandi kidnapper moun pour bandi fizé moun. Jusqu'à quand on m'a parlé avec là. Pardon. Gidan qui dans secteur privé des affaires, cap vendre cartouche, cap vendre zam avec bandi en Haïti. Gidan qui policier qui dans palais national cap vendre cartouche, cap vendre zam en Haïti. Je dis à pour moun dim, la police kebe youn nan nèg sa yo pour nous dim nous quitter le vivre. Ah monsieur. Avant, il y a là, sous frontière, il y a Spinia, il y a une bonne dame, qui c'est Madame Vizile Gibelader, avec plus passé 22 000 cartouches. Plus passé 22 000 cartouches. Est-ce que nous comprenons? La prentre en Haïti, pour elle faire qui ça? Oh oui, c'était ex-maril, papa petit li, qui était mal poté, ceci. Nous devons prendre dame ça, tracer un exemple sous lui. Pour pas jamais que l'autre fait ça encore. Je dis à ma petite tout haïtien, cap vivre Dominicani. Comment c'est relé la caille nous? Dis n'a débarqué, pas pile et pas ma con avec manchette nous. Si n'a voulu venir kidnapper nous, il y avait kidnapper nous. Mais n'a déporté tête nous. Mais n'a fermé frontière en attendant jusqu'à nouvel ordre. Je dis à tout haïtien qui gagne business en Dominicani, tout fermé. Vous comprenez? Parce que on a plus de sanctions. Yo qui t'ont fait investissement, qu'on a questionné investissement. Et puis c'est haïtien qui connaît un business au fond dominicain. Ou pas qu'il n'y a pas coup l'argent, 1, 2, 3, 4, il va le saisir en dominicain. C'est qu'il y a un petit dieu là. Yo qui t'ont fait investissement, qu'on a questionné investissement là. Ou a bail passage l'argent ça, pas coup l'argent. Ou pas qu'il y a yo fermé yo saisil et puis yo réouvel en dominicain. Et pas oublier, yo pas jamais saisi pas oligarque yo. Nous de comme ça. Yo pas saisi business oligarque yo. Je dis à nous une leçon pour nous bailler avec la famille Boulos en Haïti. Nous une leçon pour nous bailler avec la famille Aped en Haïti. Nous avons une leçon pour nous avec la famille Bidjo en Haïti. Nous avons une leçon pour nous avec la famille Meuse, les Accra, les Vob en Haïti. Pardon. Parce que c'est eux-mêmes qui mettent dans ça que nous venons là. Si Dominique a humilié nous, dans le niveau humilié nous là, c'est eux-mêmes.
si Dominique a humilié nous, dans le niveau a humilié nous là, c'est les oligarques corrompus dans le pays d'Haïti qui ont l'esprit de faire l'argent seulement, à coup avec richesse, yo, qui fait nous pas vivre dans le pays, nous, qui mettent une entreprise kidnapping sous pied, qui fait kidnapper nous. Tout côté dans le pays, ya, nous pas vivre. Je dis à chaque Haïtien, à nous prendre responsabilité, nous, à nous rentrer la caille, nous. À nous rentrer dans le pays, nous. On a vivre dans le pays. Nous n'avons pas l'autre choix. Tout à l'heure, c'est qu'on vit en Dominicani. On a vivre dans le pays. Mais sauf que, on fait tout ça qu'on connaît pour nous faire monsieur pas là encore. On met l'autre classe qu'on a dirigé. De tête d'un coup, Claude Joseph, qui est capable de parler avec la Dominicani. Je veux dire, son, on gars qui est lié, oui. Ou est-ce que nous sommes là? Ah, la bonne nouvelle. Où est-ce que nous avons l'armée d'Haïti? Les gens ne savent pas la patate douce. Pardon. Si nous avons l'armée dans le pays, nous avons la patate douce. Et nous voulons clair avec nous. Si nous avons l'armée dans le pays, nous avons la patate douce comme ça. Si nous avons l'armée d'Haïti, nous avons la patate douce. Et nous avons sur ça. C'est parce que vous êtes un Dominicain qui est Luis Abinadel. Ou est-ce que Haïti n'a pas l'autre coup pour défendre la tête? Et bien, vous décidez de faire nous ça. Nous-mêmes, nous pas notre temps. Jovenel Moïse a fait une intervention côté qu'il a parlé avec Bandi, il a parlé avec Donek tout, qui a alimenté tout mouvement armé dans le pays pour faciliter les Haïtiens, Pété Kouri, nous-mêmes, vivre en Dominicanie. En tant que président Jovenel Moïse, qui nous songeait, c'est dans un moment ça, le seul président Jovenel Moïse qui a une réponse. En tant que ça, avec nous-mêmes, nous n'avons pas de dossier collé à personne qui n'a pas d'insécurité et de violence en notre pays. Dossier insécurité, ça, tout le monde nous dit, c'est un coup tout le monde dit, dossier insécurité, c'est qu'on y a. Même les rappeler tout le monde. Pays a. Entre dans un cycle infernal. Depuis, je dirais, 18 dernières années, un cycle infernal d'insécurité. Et cycle ça, mettez-nous nos situations, côté chaque temps nous obligeons à dépendre du feu. Nous songeons, 2005, conseil de noms qui te compte faire la pluie et le beau temps. Par exemple, Amaral, Dédouilmé, et 26 couteaux, Renzonin, côté, je vous dis. Voilà. Et la police à côté, la police est toujours là. Au contraire, la police a renforcé. En 2005, la police a peut-être bien 3 000 personnes, je dis à 14 000, ou presque 15 000 personnes. La police en 2005 pas de grand bende, je dis à une quinzaine, ou disons une vingtaine, entre ça, 9 et ça qui usent. La police a pas de des unités spécialisées qui font des opérations au moment opportun dans des zones qui sont difficiles. Je dis à la police là, lui, commencer à doter tête des unités qui est capable de permettre de rentrer des côtés difficiles et pour mettre l'ordre dans des zones. L'homme monté président, t'es conseillé de non tout en 2017. T'as comme te connais dans la zone Matissan, ou t'es tête calée, Anel, dans la zone Tirivière de la Tibonite, Audemars, dans la zone Cité Soleil, Tsimunga, dans la zone la Tibonite, Canal Divan. Côté yo, yo pas là. 2017, côté la police là, toujours là. La police là, renforcée. Et c'est pour me dire aujourd'hui, je profite l'occasion, c'est pour me dire chaque grand haïtien qui a tendu là. Pas de personne qui te cap vini ou allant devant le peuple, ou pour pouvoir nommer. Là. Et puis, je dis à, pour tenir, t'es langue à bandit. Moi-même, je fais campagne
pendant 22 mois dans le pays. C'était candidat qui était en campagne, qui n'a pas de violence du tout là-dedans. C'était pas l'un de qu'on balait, son discours qu'on a gagné, et c'était pour ça que la population a été votée nous. Je dis à dossier sécurité, je nous dis, c'est pas un dossier, je dis à son dossier qui datait, j'en lis à deux, environ 20 ans, pour ne plus préciser, 18 ans, et c'est pour ça, je profite d'occasion ça pour me dire tout acteur, acteur qui était dans le phénomène ça depuis l'heure de commencer, je voulais parler de l'international là, je voulais parler de gouvernement, ça veut dire moi-même comme chef de l'État, premier ministre qui l'a, avec tout mon gouvernement. Je voulais parler de secteur privé. Nous tous ensemble qui te mettez main, je voulais parler de politiciens, qui te mettez main, qui te fait nous te joindre un mot sur la paix, mais qui va durer. Je dis, il faut nous commencer à mettre main pour nous commencer à réfléchir à la paix. On l'autre gens. Très bien. Parce que je me songeais, après l'opération Bagdad, nous devenions artistes pour la paix. Mais. Est-ce qu'à pour la paix, ben nous, ça ne te souhaite pas? Non. Ça veut dire, après, nous devons bien CNDDR, Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion. Moi-même, ça a 27 mois, moi, je mette commission ça quand campé tout. Est-ce que je dis que commission, résultat que je t'attends dans ces lignes? Non. Jamais. C'est pour me dire que problème insécurité, les plus profonds, problème violence qui gagne dans Port-au-Prince là. Les plus profonds. Ma petite motion, président. Désolé. Ma rappelé nous, CNDDR, c'est les mêmes qui sont en tête li, Jean Rebel d'Ossena. D'accord? Avec Lalanne qui est inspecteur police dans le DCPJ. Lalanne n'a son criminel lui-même. Lalanne n'a son chef de gang. Tout pays en de comme ça. Lalanne son assassin. Un criminel. D'accord? On est capable de prendre un bandit et puis aller vendre l'autre groupe gang. Lalanne, commissaire Lalanne. Tout le monde passe le bagage. Et ça qu'on doit connaître. CNDDR n'a pas tapé le président Jovenel Moïse et comme si y a une solution avec le phénomène d'insécurité pour désarmement de ça. Qui ça fait ça? Parce que Lalanne, qui est dans cette commission ça, que le président Jovenel Moïse a mis sous pied, Lalanne a travaillé pour les VOB dans le pays d'Haïti. La PDE a gangsterisé le pays. La PDE a géré gang dans le pays. Il fait semblant qu'il a parlé avec gang. Mais elle connaît pas gagné qu'elle a réglé. Là, on dit qu'on s'est logé en lice. Non, 11 familles qui ont pris des âmes dans le pays, il y a bail président Jovenel Moïse, menti. Mais par contre, il y a bail maître Luc Mandelil. Après l'assassinat du président, là, on a tout adjoint Ariel Henry. L'a négocié avec Vite l'homme innocent pour Ariel Henry. L'a négocié avec Vite l'homme innocent pour José Pierre-Luc personnellement. Qui deal avec Vite l'homme. N'a pas négocié avec Vite l'homme pour SDP, qui te promet Vite l'homme un paquet de bagages, magistrat à bas, délégué départemental, l'Ouest comme ça. Il te promet Vite l'homme un paquet de postes dans le gouvernement. Et puis, il vient de bloquer Vite l'homme vient de camper, j'ai le campé. Qui est-ce qui a fait tout contact, toute planification entre pouvoir avec Vite l'homme? Toute négociation? C'est exactement Jean Rebel d'Ossena. Il m'a dit non, si il y a un pays, Jean Rebel d'Ossena doit arrêter, oui. Mais c'est son gang. En avance, président. Que Jean nous-mêmes n'a pas réfléchi là. C'est pour ça que je dis, demander la communauté internationale là, qui t'a supporté le problème ça, de 2004 pour arriver jusqu'en 2017. Je veux clair pour tout le monde dit que je dis, c'est pour le ministre Tounan encore. T'as l'air m'attendre, c'est ça, je dis. Non, c'est pas lui, je dis. Moi, je dis communauté internationale là. Engagement qui pour prendre ensemble avec la police nationale qui je dis à nous, une police nationale qui gagne près de 15 000 personnes là-dedans. Engagement qui pour prendre avec l'autorité établie pour nous capables, gens, nous te commencer à faire dans mois masse et un résultat nous commencer à jouer par exemple dans l'importation de munitions dans le pays. Gens, nous te demander que les amis nous, pays les États-Unis, aider nous pour nous, chaque temps nous avons un bon municipe qui avec balle avec ZAM, non, ça que l'y importe, pour permettre nous capables de remonter filière Mounsa jusqu'à côté Mounna, Moun qui te mette dans le conteneur. Ça a commencé par résultat. Faut me dire que Zafé munitions, les commencé à venir plus difficile pour bandits aujourd'hui. Et faut continuer sous lancer ça. Moun qui comprennent qu'il y a un commerce munitions dans le pays, c'est pour que la police. Lui-même, tout service, nous mettons ensemble
nous font seul qui pour permettre que nous arrivions sur eux. Pour gens, nous connaissons des gens qui sont en prison. Nous entendons des rumeurs. Parce que même si c'est des rumeurs que vous voyez, parce que jusqu'à présent, comme président, nous ne pouvons pas recevoir un document formel. Ni une liste qui dit même nous avons bonnes armes dans le pays, même nous avons bonnes munitions dans le pays. Mandez ministre justice s'il recevoir. Il dit non, juste, il n'est pas recevoir. Il m'entendait, ça te parlé dans la radio. C'est pour me dire tout le monde aujourd'hui, nous-mêmes, nous pas dans deux secoulés à personne qui n'a zak insécurité à violence en notre pays. Je profite d'occasion encore, j'aime te commencer pour me voir sympathie par tout policier, par tout parent victime. Pour me dire que, on l'autre fois encore, la police l'a frappé, mais nous pas qu'à courir, nous pas qu'à faire bac. Police là aujourd'hui, n'a pas goumé pour nous renforcer, pour permettre, pour nous camper goumé avec les gens qui comprennent, qui mettre dans des routes. La police, c'est quoi légal que nous avons dans le pays? C'est nous-mêmes nous là pour nous renforcer. Et c'est pour nous continuer à faire. J'ai instruction passée à premier ministre qui l'a, directeur général police, quel que soit ça, la police là, les besoins. Mais qu'on ait un pile problème, un pile déficit, un pile ça a besoin pour le travail, pour faire face à un moment ça, il y a un problème, il y a pas sur place. Et m'a demandé des policiers, on connaît rien de commande qui te fait pour qui ça commande ça yo pour arriver. Si on côté ça avion pour prendre l'état c'est pour le prendre charge qui pour payer pour yo capable transporter pour arriver pour venir en support pour la police là parce que les bandits déclarer la police la guerre son seul choix que la police gagne c'est faire la guerre avec eux. Faire la guerre. Et nous-mêmes au plus haut niveau de l'état moi dis nous sommes comme la justice cette femme aux yeux bandés nous là pour nous supporter la police là à 100% pour nous capables de dire jodia bandi yo yo pas qu'à continuer faire chemin encore route barré tout côté en bas la ville là nous connaît que la police actuellement a fait opération kounia et me féliciter yo pour ça et connaît que nous derrière yo nous pas jamais lagué yo nous pas qu'à camper pour nous garder bandi qui prend pays là moun qui déplacé yo. Nous avons presque plus de 3000 personnes qui déplacent dans la zone Matissan qui n'ont qu'à fou. Nous avons plus de 2 millions de personnes qui déplacent qui dans la zone Badelma. M'a demandé protection civile, FAES, pour le ministre qui l'a, jeudi, dimanche, quand même, pour une réunion d'urgence qui fait pour que les gens nous ne pas quitter côté et attendre des petits mis sans garde. Bien, faut nous réunir avec les gens, ministre des Affaires sociales, là, rapidement. Pour nous pour faire une réunion, pour nous équiper en bonne manière, pour nous venir en support à Mounsayo. Mais Mounsayo m'a dit, l'État n'a pas campé garder, la police a travaillé pour retourner la caillou. Parce que pas de personne qui a campé pour. Mettez-vous dehors, je nous dis là, la vie bandit, c'est coûte que ça dure. Je dis à 4 ans, 4 mois, sous pouvoir, nous sommes ici avec nous, 5 têtes de série. Et vous mettez une deuxième division, tout ou une troisième division. Mais ça, c'était de sérieux. Il n'y a pas là. Mais ou même je dis à vous, ou prend place tête de série, ou parle pas là tout. Même j'avais sac pas là de 2017 à aujourd'hui. Ou parle pas là. Ce n'est pas bien que la médile, parce que nous, c'est haïtien, c'est pour ça que nous mettons CNDD à sous pied. Pour nous te connaître, pour nous te suspendre, pour que nous, avec la police, qui se force légale, il n'y a rien. Depuis ce sous chemin, ça nous est, nous prenons route pour nous parler. Et nous, peuple là, bon, nous avons garanti. Peuple là, continuez à faire confiance dans la police nationale là. Population avec la police là, c'est une bonne opération qui fait yo, ces derniers temps, ils réussi. C'est la collaboration population avec la police qui fait yo réussi. Nous sommes ferme derrière force de sécurité dans le pays. La médaille ici, je connais que la police, toujours parfois, à travers. Chef CSPN, mandez nous service nous pour nous faire couverture pour vous. Nous pas nos opérations directes. Mais nous même tout, tout c'est pour être nous. Parce que depuis nous avons fait choix, même si je dis, c'est peut-être 5 ou 600 militaires que nous avons dans le pays. Mais, pas rien fait bac. Tout c'est pour être nous. Les policiers devant, ils même les reconnaissent nous derrière. Les virer derrière, c'est pour nous reconnaître, pour nous là. C'est pour nous bataille, ensemble avec eux, pour nous mettre la paix, pour que la sérénité tourne. En dans famille pour monde tourner vivre tranquillement dans quartier. Très bien, c'était exactement
déclaration du président Jovenel Moïse, et parlé de 20 juin 2021, quelques jours avant Otouyel. 20 juin 2021, dernière déclaration officielle président, l'aile de sortie dans le dernier voyage, li, dans le pays la Turquie. D'accord? Et moi, j'ai ça pour nous, parce que c'était la dernière déclaration président. Pendant que le président a fait déclaration, ça, il n'a pas parlé de Cap Vanzam. Il n'a pas parlé national Cap Vanzam. Dimitri Ra, comme seul chef Cap Vanzam, n'a pas parlé. Comme seul chef Cap kidnappé, moun n'a pas parlé. Imaginons, il y a un don président. Dans le kidnapping, le président n'a pas qu'à connaître. Parce que, parler avec comme si vous parlez avec un de président. Je vous demande aussi forcing l'a fait pour le diriger par le national. Matéli, c'est le chef là. Cap contrôle les troupes de sécurité. Yo. Et c'est ça qui cause le président mourir dans la condition de mourir. Oui. Ok? Et ça cause le président mourir dans la condition qu'il mourir. Hein? Des criminels notoires, des assassins. Mais justement, qui attaché avec le pouvoir. Yo, et que ils ont décidé pour que c'est eux-mêmes. Effectivement, qui pour diriger le pays. Moi-même, je voulais que chaque Haïtien tende et comprenne. Et si déclaration ça comme toujours, bonne possibilité pour entendre, l'entendre, partager, pas qu'un peu pour contre nous. Ok? Pas qu'un peu pour contre nous. Et puis, pour nous connaître, violence qui a fait dans le pays à côté de sorti, qui est-ce qui a fait derrière yo? Faut que nous connaissions. Et nous avons plusieurs extraits. C'est des planifications, des gens qui ont planifié l'assassinat dans le pays, et des gens qui ont affilié avec toute qualité de groupe gang dans le pays. Je dis, il faut que nous connaissions que tout le monde qui est dans la politique, qui est dans SDP, qui fait partie du groupe SDPA, ils ont retiré le visa. Tout le monde qui est ministre dans le gouvernement actuel, ils ont retiré le visa parce que c'est gang. Ils ont un trafic, ZAM, blanc coupé visa, tout le monde. En dans d'éviter l'homme innocent qui t'a expliqué, et comme si lui-même avec SDP, mais qui relation qui ont développé. Entendez ça. Moi-même, c'est un monde qui fait partie de membres opposition qui toujours restait un homme politique, un homme public. Nous gagnons une attention que nous avons portée avec le CSPN, soi-disant que qui est représenté par Ariel Henry, côté que nous gagnons semi-gouvernement parce que nous n'avons pas d'exécutif. Pour nous rappeler, pour nous faire connaître que pour le thé, dans le niveau que l'IA, c'était sang qui était coulé, c'était sang qui était versé, exécutif. Moi-même, c'est un monde qui te fait partie de membres opposition qui toujours restait un homme politique, un homme public. Nous gagnons une attention que nous avons portée avec le CSPN, soi-disant que qui est représenté par Ariel Henry, côté que nous gagnons semi-gouvernement parce que nous n'avons pas d'exécutif. Pour nous rappeler, pour nous faire connaître que nous-mêmes, nous sommes celles qui n'ont pas jamais peur, qui n'ont pas jamais peur. Je dis à me comprendre très formal, pour Ariel qui est oublié, pour le thé, dans le niveau que l'IA, c'était sang qui était coulé, c'était sang qui était versé. C'était moi qui t'ai fait. Moi, je comprends ni très formal pour le CSPN. L'un prend CSPN, on comprend. L'un prend Lucas Pierre. Nous prend DG la police. Nous prend ministre justice. Nous prend intérieur. Tout le monde connaît qui est-ce qui est. Bon, tout le monde a que oublié que moi-même, même moi-même, qui t'ai qu'on fait, que je suis toujours là pour faire et je suis fait tout. Par contre, je me rappelle tout monsieur pour apprendre à songer que moi au niveau palais national, moi au niveau de la primature, moi au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, moi au niveau le DG, moi au niveau de la direction départementale, moi au niveau de tous les commissariats. Pas d'un côté que fantôme n'a pas existé. Fantôme, c'est ça. Et m'a rappelé très bien. Les fantômes n'ont pas créé, ils ont songé comment ils ont été créés.
et bien malheureux fantôme là encore bel et bien vivant. Moi pote une alertation par le CSPN pour me rappeler yo pour yo connaît très bien accouchement pour voir ça, c'était combinaison pour te exécuter Jovenel qui mettait là. Tout le monde connaît qui est. Et tout le monde connaît très bien, pas de monde qui connaît fait pas qu'à des fêtes. Je dis à la, moi pote une attention formelle, premièrement, à le secrétaire général du Palais National. Pour le rappeler, avant que le rentre au niveau du Palais National, qui altercation qui te gagne. Moi-même, innocent, comme quoi que tout nèg a voué monter, je suis seul qui pas jamais. C'est une raison mon adresse publique. Mon adresse connue, je pas jamais caboulé, je toujours libre, je toujours honnête et je toujours intègre. Je dis tout nèg ça. À part de jodi, pour le rappeler, avant que le rentre au niveau du Palais National, qui altercation qui te gagne. Moi-même, innocent, comme quoi que tout nèg a voué monter, je suis seul qui pas jamais. C'est une raison mon adresse publique, mon adresse connue, je pas jamais caboulé. Je suis toujours libre, je suis toujours honnête et je suis toujours intègre. Je dis tout nèg ça. À part de jodi, je baille 72 heures de temps. Ça, c'est le vite l'homme qui baille ultimatum, non? L'homme qui dit que tu n'as pas bloqué ta barre, non? Et après toute négociation, tu as fait avec pour le de tout le président pays, qui est le président Jovenel Moïse. Et bien, tu as venu dans la farine, tu n'as pas rien. Et puis, tu as négocié, cherché pour tout le pito. Vite l'homme, tu es obligé de prendre la presse pour lui. Et nous avons fait effort pour nous déjeuner vite l'homme, pour nous défendre par la Somavel. Mais je dis à la grande action que vite l'homme a posé dans le tabac, nous questionnons. Côté que moi, tout le monde tabac, moi, vite l'homme, il y a un tabac, une possibilité pour nettoyer et tourner la caille. Moi, pour faire un nettoyage dans le tabac, dans le torsel, dans le tabac 70 là, moi, tout le monde a nettoyé, vite l'homme lance un appel pour que moi tourne la caille. Est-ce que nous avons une garantie pour vivre la caille en paix, vite l'homme? Comment ça a fait? J'espère que si vite l'homme, justement, capable d'explication, et bien justement, capable de l'émission, hein, après-midi, hein, pour le bail, une explication sur ça, pour le dire exactement, qui s'est fait ça, est-ce que c'est fait fin d'année, elle voulait passer, ou du moins, qui s'est fait ça même? Est-ce que c'est mon pas jeune dans la zone encore, il besoin de tourner, qui s'est ça? Parce que c'est même mon dans la zone qu'on a fusillé, nous kidnappé, nous violé, nous fait tout cas de ça, malheureux sur yo. Je dis à vite l'homme, ou m'a dit mon pour tourner, moi qui n'a pas nettoyé tabac. Et par contre, tu as besoin d'explication. Comme la police n'a pas baillé, comme les gens qui n'ont pas pouvoir baillé, si je n'ai pas entendu ce mavo, dis que je n'ai pas entendu ce mavo pour déposer, pour remettre des âmes. Faut qu'on baille une petite explication. Après-midi, on attend et on cherche plus de détails pour nous venir parler de ça dans l'émission avant ce mavo. Après-midi, à 6 h PM, dans live, Info Betoua. Je dis que je vais casser un rendez-vous avec nous après-midi, même, qui c'est. Si, alors, à 6 h PM, pour une dernière émission, capable de passer sur la plateforme Banouan, qui est la plateforme YouTube, Info Betoua. Je vous dis que vous avez rendez-vous cassé pour après-midi. Kembela, moi-même, on appelle.